Je commence par mettre des morceaux de pâté dans le récipient qui va aller au congélateur. Ensuite, je mets de l'eau dans ce moule en silicone. Je mets de l'eau dans les casiers, là où il y a dans les cases où il y a le pâté. Alors pourquoi du pâté? Parce que Echo, elle adore ça. Voilà. Et ensuite, je vais aller mettre ça à refroidir, à congeler au congélateur. Après avoir passé 2 heures au congélateur, les glaçons au pâté sont prêts. Je vais commencer par lui en proposer deux. Alors, j'ai sorti un vieux drap parce qu'en dessous, c'est le tapis du salon. Ça commence déjà à fondre. Alors, il n'y a pas trop de lumière aujourd'hui parce que, comme il fait très chaud aujourd'hui, les volets sont tirés. Enfin, pas complètement, mais les volets sont baissés. Pour garder de l'ombre à la maison, pour garder de l'ombre, pardon, pour garder du frais, pour garder une température fraîche à la maison. Et donc le glaçon au pâté, on va le faire au salon. Voilà, cette activité, on va la faire au salon aujourd'hui. On va pas faire ça dehors parce qu'il fait encore plus de 30 degrés là dehors, donc il fait beaucoup trop chaud. Alors c'est pas un glaçon à la sardine cette fois-ci, c'est pas un glaçon à la knacki non plus. Ce sont des glaçons au pâté. Ça part vite. Mais je ne vais pas lui en donner plus de deux tout de suite. Les autres, ce sera pour demain. Ah, c'est bon, hein, elle se régale. Voilà, un petit truc facile à faire pour rafraîchir votre chien quand il fait très chaud. Si ce tutoriel vous a plu, je vous invite à liker, à partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Merci et à bientôt!